Eh bien, chers amis de la cinéphilie et des films éclectiques, ceci est un salon avec une programmation un peu inattendue, 9 films, 3 cinéastes. Et quel est le point commun entre ces 3 cinéastes? Il n'y en a pas, si ce n'est qu'ils sont ou connus pour un énorme succès international qui a un peu occulté le reste de la carrière. Je pense à Michael Kakoyannis. Ou alors connu pour des films singuliers en marge des autres grands cinéastes français. Je pense à Jean Devèvre et à Edmond T. Gréville. Donc voilà les 3 cinéastes dont on va parler aujourd'hui. On va un peu musarder dans des cinéphilies très différentes. Mais c'est ça aussi le plaisir de la cinéphilie, c'est de tirer au sort des films et des grands cinéastes ou des moins grands cinéastes. Est-ce que vous êtes convaincu par cette introduction? Je suis bouleversé. Continuez, moi j'ai le continuez. frisson. Charles Némès, cinéaste, auteur, penseur, philologue, scientifique. Didier-Philippe Gérard, musicologue, scénariste, auteur et amateur de jolies actrices. Je l'avoue. Vous aurez le droit de parler de Dany Robin tout à l'heure. Je l'espère. On commence très fort avec Edmond T. Gréville, qui est un cinéaste français connu et pas très connu, ou moins connu. Quand je dis français, il l'est relativement, puisqu'il est à la fois britannique et français, qu'il a eu une carrière en France, une carrière en Angleterre et aussi une carrière aux Pays-Bas, où je crois qu'il a tourné un ou deux films. Personnalité donc un peu européenne, on va dire, née en France, à Nice, et qui a, alors pour l'anecdote tragique, qui a tourné son dernier film qui s'intitulait L'Accident et qui est mort d'un accident de voiture dans la foulée. Comme quoi le destin est toujours présent dans le cinéma. On va parcourir quelques films de Edmond T. Gréville qui a une forme d'éclectisme dans son cinéma. Et on va commencer avec Pour une nuit d'amour, qui est un film de 1947, dont l'argument est relativement facile à résumer, si j'y arrive. C'est Odette Joyeux qui joue le rôle principal, qui joue une jeune fille. C'est un film en costume, ça se passe à la fin du 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle, dans une petite aristocratie de province. Et cette jeune fille, qui est le contraire de celle de Chiffon ou de Douce chez Claude Autant-Lara, cette jeune fille, donc jouée par Odette Joyeux, a tendance à aimer les hommes. Les hommes, les jeunes, les moins jeunes, et à séduire, c'est une capricieuse, et un jour, elle a un gros, gros problème dans sa vie, puisque un homme lui fait un chantage qui est d'une extraction modeste, et elle le tue dans un moment de colère. Et comment va-t-elle faire pour dissimuler ce crime? Ça n'est pas pour autant un film policier, ça n'est pas, c'est un mélodrame, un vrai mélodrame, et je vais vous céder la parole pour en parler plus volontiers. Charles, qu'est-ce que vous pourriez dire de Pour une nuit d'amour 1947? Ben, je pourrais dire que les costumes que porte Mademoiselle Joyeux sont de Christian Dior. Je peux dire que le principal de la lumière est d'Henri Alcan. C'est un film qui, stylistiquement, est assez emblématique du cinéma de Gréville, pour ce que j'en connais. On a déjà eu l'occasion de parler de Remous ici. Et on est face à un réalisateur qui tourne du parlant, avec des dialogues assez brillants et inventifs, et qui pourtant filme comme s'il filmait du muet. C'est-à-dire quelque chose dans l'expression corporelle, dans l'expression du cadre, dans la volonté de mise en lumière, dans la démonstration, qui crée cette espèce de double ajout, c'est-à-dire la nostalgie d'un certain cinéma muet exubérant, protéiforme, et du cinéma de dialogue, de narration moderne en son temps. Et ce qui est tout à fait goûteux chez Gréville, et c'est très très flagrant dans ce film-là,
C'est qu'il n'a aucune pudeur stylistique, aucune retenue, il n'a peur de rien. C'est-à-dire que, il y a aussi bien des flashbacks que des effets visuels, que des bascules de lumière, que des caméras qui changent d'aplomb au sein du même plan, que des ralentis. Rien ne l'arrête, pourvu que ça serve sa narration. Et à cet égard-là, c'est presque un cinéaste pour les cinéastes, ou même un cinéaste pour les apprentis cinéastes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de catalogue ébouriffant de tout ce qu'on peut faire avec une caméra et des bouts de pellicule qu'on colle ensemble avec la technique de l'époque. Et c'est, à partir de ce moment-là, très, très plaisant. Présent, oui, jouissif. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plaisir formel. Et ça s'emballe en permanence et c'est, oui, c'est très agréable. Il y a un mélange de tonalités qui est très intéressant. C'est parce qu'il y a toute une première partie, enfin, c'est ma perception, mais il y a toute une première partie où il y a une caricature des vieux. Donc, on est dans une comédie très sarcastique. Et puis, par contre, il y a un mélange de il y a un mélange avec le drame, puisque ce que vit Odette Joyeux et Roger Blin sont des choses qui sont beaucoup plus tragiques, et pour cause, puisqu'il y a un meurtre et comment dissimuler le cadavre. C'est très étrange, parce qu'on est à la fois dans une comédie théâtrale classique à la française, et aussi dans un film extrêmement tragique et dramatique, et les deux se mélangent de manière assez harmonieuse. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il bascule d'une tonalité à l'autre sans se préoccuper d'établir des liens artificiels. C'est-à-dire, quand tout se passe de manière sautillante, ça sautille. Quand tout d'un coup, ça se noircit, c'est noir. Voilà. Peut-être, pardonnez-moi, mais peut-être faut-il préciser qu'à l'origine, c'est une nouvelle d'Émile Zola qu'ils ont adaptée. Et il y a justement toute cette noirceur d'un côté et cette caricature de la bourgeoisie de province qui est assez typique de l'auteur, et il faut reconnaître que c'est assez prenant. Mais il y a aussi un dialogue qui, à mon avis, ne sort pas du tout de chez Zola, qui est un dialogue presque à mot d'auteur, qui est presque pré-audiardien, qui fait des assonances, des jeux de mots, qui est en relatif décalage avec la situation. On n'est plus chez Zola du tout dans cet aspect-là des choses, mais c'est les joies du cinéma, c'est les joies du cinéma tout court, c'est-à-dire sans précaution, quoi. Je crois qu'on verra ça dans ses autres films, mais une espèce d'emballement constant de la forme et du plaisir de filmer. Alors Didier, chez les comédiens, vous avez, qu'est-ce que vous avez retenu Roger Blin est proprement étonnant. Ouais. Dans un rôle de allez, disons-le, de désespérément amoureux d'Odette Joyeux, et il est, comment dirais-je, on s'attache énormément à lui. Et on a envie de lui dire tout le temps, ne fais surtout pas ça. Ouais. Et il est totalement, il est maudit dans cet amour, en fait. Roger Blin, avec son physique si particulier, qui joue là presque l'innocent, oui. Le personnage qui va être sacrificiel puisqu'il est amoureux d'une étoile, alors qu'il n'est que le vermisseau, et qui, dont on peut dire que c'est une personnalité qui a eu une carrière théâtrale très importante, et qui en France a été le premier, en tant que metteur en scène, le premier révélateur des textes de Jean Genet. Oui. Donc, qui a une autorité. Il a fait partie du groupe Octobre, il a fait partie de cette mouvance. Donc, pas moins connu évidemment au cinéma, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de son interprétation dans le film? C'est un personnage très étrange, très. Il joue déconnecté, c'est-à-dire qu'il joue son destin. C'est-à-dire qu'il est en très médiocre, voire transparent rapport avec le cordonnier qui l'héberge. Enfin, même avec Odette Joyeux, quand enfin il la rencontre, alors qu'il passe son temps à l'observer, à la rêver, elle a une matérialité qui n'est pas tout à fait à la hauteur de son rêve, et ça va accélérer son destin à lui. Il a le culot. Alors c'est probablement, vous savez, un problème du metteur en scène, puisqu'on peut y voir une analogie avec la manière dont c'est filmé, c'est-à-dire que c'est pas corrélé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de rendre tout ça huilé, bien assemblé. Ce qui est différent est différent, et se juxtapose, et la juxtaposition crée de l'émotion, crée de la tension,
crée de la dramaturgie. C'est assez radical comme manière de jouer et de mettre en scène, mais Sylvie dans le rôle de la mère, Alerme dans le rôle du père, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils suivent, leur chemin. Ça n'est pas du tout bien assemblé. C'est-à-dire, ça fait un bel assemblage, mais ce n'est pas bien assemblé. Oui, oui. Et c'est ça que je trouve intéressant. Quelque chose de disparate, oui. Mais la somme des parties réussit à faire un tout. Vous êtes là? C'est le moment. Il faut l'emporter. Il faut le faire disparaître. La rivière. Vous avez juré de faire tout ce que je demanderai. Moi aussi, je jure. Si vous le voulez, je serai votre récompense. Tout à l'heure, cette nuit. Thérèse, ta conduite est inadmissible. Te réfugier dans ta chambre un jour pareil. Et au moins, te plus de jugement si tu n'as pas de sentiment. Tiens, tu es la fiancée la plus adorable et la plus bizarre que j'ai jamais vue. Didier, quelques mots peut-être sur le compositeur, très vite, parce qu'on veut enchaîner, il y a quand même 9 films. En l'occurrence, il faut quand même citer effectivement Jean Wiener, qui est un formidable musicien, qui lui aussi est issu du classique, mais qui bascule après-guerre. Nous, d'ailleurs, il faut qu'on précise que le film date de 1946, et qui va basculer ensuite dans la musique populaire, dans le jazz, dans... et évidemment, pour les gens d'une certaine génération, on peut citer une musique que certains auront gardée en mémoire, c'est le générique d'Histoire sans parole à l'ORTF, bien évidemment. Oui, oui, qui était comme une musique de... Au piano, voilà. Alors, une des particularités du cinéma, en tout cas au travers des films dont on parle aujourd'hui, de Edmond T. Greville, est Edmond Thunder. Greville, qui veut dire le tonnerre, en fait, un rapport à l'érotisme, un rapport au geste érotique, puisque dans ce film de 46, quand même, il y a des points de vue sur des décolletés avec des lavandières très dépoitraillées, il y a la caresse d'un sein, qui est quand même quelque chose d'assez extravagant à cette époque, enfin, qui a dû choquer nos grands-mères, et chez Greville, il y a ce rapport au voyeurisme, ce rapport à la passion pour les pieds d'ailleurs et pour les jambes des femmes. Là, on a un film de décolleté, maintenant on va passer à un film de jambes et de pieds. Et c'est Le Diable Souffle, un film très particulier, très étrange, très contemporain de celui dont on vient de parler, 1947, avec Vanel, Chevrier, Elena Bossis. Charles, vous nous dites quelques mots sur ce film ? Charles Vanel joue le rôle d'un personnage un peu retiré du monde qui vit sur une île au milieu d'un fleuve qui doit être la Bidassoa, qui se trouve entre la France et le Pays Basque espagnol. Il rencontre un jour dans un cabaret une chanteuse un peu à la dérive, qui boit trop, qui est en mésentente avec son employeur et avec la clientèle qui essaye d'en profiter. Et il la recueille, il l'héberge, il l'emmène dans son petit îlot coupé du monde, et il l'aide à se reconstruire, voilà. Et un lien tendre commence à se dessiner entre eux lorsque apparaît un fuyard, réfugié politique... Républicain espagnol. Républicain espagnol, qui l'accueille, et la présence de cet homme, plus jeune, plus mystérieux, plus beau, plus compétent virilement... Plus sexy, va créer un décalage du sentiment. Et ça va raconter comment cette cohabitation va se compliquer et pourtant s'achever, peut-être pour le plus beau, si ce n'est le plus réconfortant. Et là, c'est l'inverse de Pour une nuit d'amour, c'est-à-dire qu'il y a, il y a toujours une sensualité, mais une sensualité qui s'alourdit, qui est de plus en plus présente. Mais c'est un théâtre de peu d'ombre, voilà, dans un lieu coupé du monde, avec, in fine, ces trois personnages et quelques rares visiteurs, quelques rares incursions d'extérieur. Et donc on passe de l'abondance à l'austérité, et les sentiments n'en sont
que plus tendue et qui est plus perceptible. Et sur le plan formel, j'y reviens, il y a des libertés extravagantes de textes qui apparaissent et qui disparaissent sur des livres que lisent des gens qui pensent à autre chose. La situation, c'est que Chevrier est dans le grenier. Elle est à l'étage en dessous. Elle se met à jouer de l'orgue. Et lui, alors qu'il était en train de lire le livre, l'apparition de la musique fait que disparaissent les lettres du livre. Oui, il n'est plus capable de lire, donc les lettres disparaissent du livre. Par exemple, il y a aussi des moments de fantasme qui, tout d'un coup, sont interrompus et repris par la réalité. Et il y a cette mise en scène de l'exclusion géographique, puisqu'il y a une crue qui empêche la traversée, parce que les barques ont été emportées. Et là, il faut raconter une chose que raconte Bertrand Tavernier, qui était un des grands soutiens de Gréville, c'est qu'ils se trouvent sur cette île et ils sont à une saison où ils espèrent que l'eau va monter, parce qu'ils racontaient sur les crues, et l'eau ne monte pas. Et là, il a cette idée extraordinaire, c'est de couper des segments d'arbres, de les planter dans l'eau pour donner une sensation de profondeur et déjà de débordement, puis de les recouper plus courts pour les enfoncer plus profond pour donner l'impression que l'eau a monté. Voilà. Et ça marche très bien. Et ça fonctionne, bien sûr. Bah, c'est un film qui est dans lequel le diable souffle, c'est le vent, c'est la tramontane, cette obsession de la montagne, du flot, du flux, etc. On cite un proverbe fictif à un moment donné, on dit c'est la femme est le feu, voilà. L'homme est l'étoupe et le diable souffle. Exact. Voilà, c'est très très beau. Didier, alors, bon, d'abord, votre point de vue sur le film, ce que vous en avez retenu, ce qui vous a impressionné. Puis après, on pourra dire quelques mots du musicien qui est moins connu. C'est exact, mais dont on connaît certaines musiques également. Non, mais toujours est-il que le film est formidablement attachant, dans le sens où c'est le trio amoureux classique d'énormément... De films et de fiction, mais ça fonctionne formidablement bien parce que c'est tricoté avec énormément d'amour pour les personnages, pour les trois personnages. Aucun des personnages n'est manipulateur. Ils vivent la situation d'une manière très, très pudique, même si la situation est effectivement un peu plus que délicate, disons-le, puisque Charles Vanel, qui a recueilli cette musicienne, la voit, comment dirais-je, attirée par le républicain espagnol qui s'est réfugié là. Vanel, c'est le plus grand cocu du cinéma français, quand même. Et une nouvelle fois, il se tape une romance, si j'ose dire. Il le faisait bien, oui. Il le faisait bien. Et oui. Pour en revenir à la musique... effectivement, Yves Baudrier, dont on ne retient pas forcément le nom, est un musicien lui aussi issu du classique et de Fauré, Ravel, Debussy de l'après-guerre. Et il a fait quelques musiques de films assez marquantes, comme par exemple La bataille du rail de René Clément, où la musique avait un rôle très important et on l'a remarqué également. Alors L'impasse des deux anges de Maurice Tourneur, La nuit est mon royaume de Lacombe et le succès international qui fait que tout le monde a entendu au moins une fois Baudrier, c'est Le monde du silence de Cousteau. Et il faut juste préciser que sa formation, au départ, son instrument de formateur, c'était... C'est un organiste. C'est un organiste. C'est un organiste. Et dans le film, dans le film, la musicienne recueillie sur l'île par Vanel se met sur un harmonium. Sur un harmonium, ouais. Sur lequel elle pédale avec entrain. Et la musique est superbe. Très ravelien comme inspiration. Oh, Laurent, cette lumière! À la porte!
Un sacré moteur qui nous lâche. Chez nous, il existe un vieux proverbe. La femme est de feu, l'homme est d'étoupe, et le diable souffle. Une chose que j'ai remarquée chez Gréville, parce qu'on va devoir passer à autre chose, mais c'est presque systématique, parfois c'est charmant, c'est très brillant, mais parfois c'est un peu systématique, c'est ce qu'on appelle le raccord d'intention. C'est-à-dire, par exemple, on ferme le livre, et on ferme le clavier dans le raccord suivant. Ou alors il y a des choses, dans le film précédent, on parlait de jouer, il jouait au bil... non, comment ça s'appelle ce jeu, le croquet. Le croquet. Et donc il y a une réplique qui dit « elle est à croquer ». Et juste derrière, il y a un plan sur... on est en train de jouer au croquet. Enfin bon, il y a ces sortes d'artifices comme ça qui sont parfois très brillants, parfois un peu systématiques, mais il en use et on abuse. Vous avez remarqué comme oui, moi, Charles. C'est presque juvénile, c'est ça qui est plaisant dans l'affaire. Il s'amuse à le faire. Il s'amuse, oui, ça s'entend, ça se sent. De la même manière que dans Le Diable souffle, si on prend les trois principaux... la dame joue comme dans un film muet, enfin, c'est clairement des postures, des postures à la Edith Amar. Chevrier joue comme on joue dans les années 40, avec élégance et aplomb. Et Vanel joue comme on jouerait aujourd'hui. Oui, Vanel est incroyablement contemporain. Absolument, donc, il est formidablement moderne. Ouais. On pourrait en parler longuement parce que c'est vraiment un cinéma passionnant. On va conclure sur un film très secondaire quand même, parce qu'il y en a dans les 30 et quelques films de la carrière d'Edmond Tégréville. C'est « Quand sonnera midi », un film de 1958 qui se passe dans une sorte de pays latino-américain. C'est une sorte de film d'aventure dans lequel Georges Marshall est incarcéré dans un régime qui est celui du général Tapioca, un peu en gros, hein. Un peu mexicain, un peu... Ça s'appelle comment ce pays? C'est Guadalajara, c'est une république. Ça, c'est la ville, oui. C'est la ville, oui. C'est une république bananière un peu, et donc dirigée par un tyran plus caricatural, c'est difficile. Danny Robin cherche désespérément à faire... À sauver la vie de son mari. Qui doit être exécuté quand sonnera midi. Voilà, quand ça sera midi. D'où le titre du film. On ne va pas prétendre que c'est un grand film. Hein, ce n'est pas un grand film, ni d'aventure. C'est un film qui est extrêmement bien réalisé, par ailleurs. Mais c'est pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Charles. C'est qu'il y a un plaisir du filmage qui est réellement présent, qu'on sent. Et j'ai l'impression qu'en fait, le sujet, il a adoré se retrouver dans une république sud-américaine avec un tyran et énormément de figuration, formidablement bien dirigée d'ailleurs. Là, je serais moins d'accord. Je pense que tout ce qui est combat, on ne sait pas sur quoi il tire, on ne sait pas pourquoi il se touche, pourquoi il meurt, d'autres qui restent debout. Je ne parlais pas des cascades, vous avez raison. Je ne parlais pas des cascades, je parlais du plaisir de filmer cet environnement. Oui, ce qui est marrant, c'est que dans ce film-là, c'est presque fait pour les écoles de cinéma. C'est-à-dire, c'est comment filmer la scène de marché, comment filmer l'attaque, la scène d'amour, comment filmer la scène de prison. C'est presque exemplaire, sauf que, en ce qui concerne les choses militaires et les choses belliqueuses, à l'intérieur du cadre bien conçu, c'est extrêmement... Alors, c'est pas seulement les cascades, c'est la façon dont ils se meuvent. Mais comme on est quasiment dans la BD, il reste les figures incarnées des héros et, je crois, de l'héroïne qui vous a... Ah, moi, j'ai été bouleversé par Danny Robin, je suis obligé de l'avouer. Mais vous avez raison d'être bouleversé. Elle est proprement fascinante, ravissante, séduisante.
Je cherche encore des rimes en hante, mais j'en trouverai plus tard. Et émouvante, surprenante, et à la menthe. Elle est capiteuse. Et surtout, elle est totalement à la hauteur du rôle, dans le sens où elle n'a peur de rien. Elle est tout le temps en mouvement, elle fonce. Elle a quand même 24 heures pour sauver la vie de son mari, pour arriver espérer. Didier a été séduit, genre, on ne peut rien contre ça. Encore un coup de ces cochons de rebelles. Mais filons avant qu'ils nous tombent dessus. Moi, je continue. Fais pas l'andouille. Ou alors t'as envie de te faire violer par ces fumiers. Non, c'est peut-être ça que tu veux, après tout, hein. Tu sais, pour ce boulot-là, je suis de première, moi. Va te faire pendre, salope! Et pour étayer ce que vous dites, mon ami, une réplique, une femme, surtout française, se débrouille toujours. Voilà, nous on sent que le dialogue a ronflé très fort. Et il y a une autre femme, tout aussi française, en l'occurrence Pascale Roberts, qui joue la maîtresse du tyran, et qui, à un moment, un numéro chorégraphique, qui louche beaucoup, du côté de Rita Moreno dans West Side Story, je ne sais pas si vous avez eu la même... Oui, mais on est, chronologiquement, c'est antérieur, non ? Nous sommes bien d'accord, mais quand je dis que nous... C'est une inspiration. Dans nos souvenirs. Oui. Chers amis, je vous propose de passer à notre second cinéaste de chevet, en tout cas de salon, qui est Jean Devèvre, 1912-2004. Particularité d'un homme qui a beaucoup... qui a une carrière professionnelle très fournie, puisqu'il a commencé, il a fait une quinzaine de longs métrages à l'arrivée, mais au départ il commence par la décoration, il est chef décorateur, il est monteur aussi, enfin il fait un peu tous les métiers. Il a remonté en partie, on ne reviendra pas sur les aléas de ces péripéties, mais il a été associé au montage, au remontage de Boudu, Sauvé des eaux de Jean Renoir, dont le producteur jugeait qu'il fallait le refaire. Et donc il est un peu comme Robert Wise l'était par rapport à Orson Welles. Il a assisté Johannon, il a même terminé un film de Johannon, il a terminé un autre film, celui de Le Chanois, qui pour des raisons différentes n'avait pas pu terminer des films. Et puis enfin, il est passé à la réalisation. Il est connu pour des Carolines, Caroline Chéry, mais il est surtout connu pour deux films dont on va parler aujourd'hui et qui sont probablement ses deux meilleurs. On va commencer avec La Dame d'11 heures, qui est un film de 1948, qui est un film sur le principe du film policier, d'intrigue, la chronologie policière, la comédie policière. Charles, vous allez nous le présenter avec un brio qui vous ressemble en réalité. En fait, c'est Devèvre qui a du brio pour présenter les choses, parce que les trois films dont nous parlons aujourd'hui, enfin deux principalement, mais même le troisième, ont cette caractéristique commune, c'est qu'ils commencent par une façon de bande-annonce de ce qui va suivre, ou de comment sommes-nous arrivés là. D'ailleurs, ça fait penser un peu au début d'Arcadine de Wells, où on a cet avion qui vole et on va nous expliquer longuement comment on en est arrivé là, mais dans le cas de Veuve, donc ancien monteur, vous dites c'est fait comme une bande-annonce, c'est-à-dire c'est monté court avec effet, etc. Il y a même une marche arrière pour remonter le temps. Ouais. Voilà, c'est pareil, il a cette chose qu'il partage avec Gréville, c'est que sur le plan formel, il n'a peur de rien, cet homme-là, non plus. Alors, je ne vais pas résumer l'histoire, c'est un film d'enquête où il y a un détective qui ami de la famille qui se trouve. C'est du Simenon. C'est trop noir. Façon Picpus, comme on a parlé, c'est la façon rigolo. Ça fait penser au Rouletabille joué par Toutain. Ça fait penser. Ouais, c'est plus du Steeman version Lacombe ou L'assassin habite au 21. Le dernier des six. Voilà, avec des personnages comme ça.
assez en couleur et assez caractéristiques, et assez caricaturaux, pardon. Et c'est l'apparition de Paul Meurice, excusez-moi, je suis obligé de retrouver son nom, qui joue un personnage qui s'appelle Stanislas Octave Seminario, dit SOS, voilà, qui donc fait cette enquête parce qu'il est ami de la famille, de retour de 4 ans d'exploration en Afrique, on va comprendre pourquoi. Et c'est une préfiguration du monocle qu'il va incarner pour Lautner, parce qu'il y a à la fois le flegme et la tonicité. Et je parlais du fait que de Vèvre était monteur par le fait que le montage se montre dans les films de Defebvre, c'est-à-dire se montre parce qu'il est appuyé par des raccords en volet, des raccords en volet filé, en volet d'une forme comme ci, d'une forme comme ça, d'une autre forme, qui renvoie une sorte de ping-pong visuel d'une scène à l'autre. Alors ça, ce qui est chez Gréville et le raccord d'intention, là, c'est le raccord d'hostilité, si je peux dire. C'est sur la différence, une chose propulse la suivante. Mais ça donne une espèce de sentiment de rapidité tout à fait particulier, et dans lequel les acteurs jouent une sorte d'instantanéité. Il n'y a pas beaucoup d'arrière. Quels acteurs hein? Pierre Renoir, Paul Meurice. Il y a du Boulange, Pierre-Louis. Pierre-Louis, Jean-Tissier. Jean-Tissier, voilà. Michel Français. Jean-Tissier dans un grand numéro de Jean-Tissier. Oui. Hein, qui veut se faire appeler. Il est majordome et il s'appelle Guillaume. Et il veut se faire appeler William. Voilà. Donc, hein. Et quand on l'appelle William, tout d'un coup, il devient beaucoup plus agréable. C'est épatant. C'est très, très joyeux, c'est très jovial. C'est les 5 sous de la Varède. C'est le tour du monde en 80 jours. Enfin, ça a quelque chose de cette pétulance-là. Eh bien, Guillaume. 2 lettres, monsieur. Pour moi? Une seule, monsieur. Pour moi? Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Rien, des prospectus pour une fête de bienfaisance. Oui, des amis qui nous veulent du bien. Vous pouvez disposer, Guillaume. Excusez-moi, mais il me semble qu'il serait utile pourtant d'aller dormir. L'histoire, je ne suis pas sûr que je l'ai comprise jusqu'au bout. Ça n'a pas grande importance. Elle est très complexe, en fait. Mais il nous prend par la main et il ne nous lâche plus pendant tout le film. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce film, Didier? Qu'est-ce qui vous a plu? Moi, ce qui m'a plu, je le répète, c'est cette espèce de plaisir de filmer qui est communicatif pour le spectateur et qui il vous prend par la main et il vous emmène, y compris dans des pistes plus qu'étranges voire décevantes, mais il y prend du plaisir et il nous donne ce plaisir, il nous fait prendre également du plaisir, même si, je le répète, l'intrigue est terriblement complexe. Alors, mais c'est intéressant pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, Charles. C'est les flashbacks, par exemple, il y a des regards caméra, c'est-à-dire que les protagonistes l'histoire nous parlent, s'adressent à la caméra, ce qui est quelque chose qu'on pratique relativement peu, le regard caméra, sauf exception. Et donc, il y a quelque chose presque d'un reporter. D'un reportage télévisuel, alors que la télé est à peine rentrée dans les foyers, ou en si peu, ce qu'on a beaucoup pratiqué par la suite dans le montage des reportages télé. Quoi. Oui, et puis il y a des moments où il y a une succession de bouts de témoignages qui sont faits à des interlocuteurs qu'on ne voit pas, qui pourraient effectivement sortir d'un documentaire contemporain. C'est pareil que Gréville, rien ne lui fait peur du moment que ça fait marcher son truc. Mais c'est vrai, je reviens sur l'idée du plaisir, je pense qu'on a affaire à des réalisateurs qui s'amusaient beaucoup. Ce n'est pas des tourmentés de la profondeur.
Et c'est ça aussi, le cinéma. C'est-à-dire mmh. qu'on ouais. peut tirer des profits de comédie sans qu'il soit écrit une comédie au coin de l'écran avec un grand C. Quoi. On passe à La ferme des sept péchés, très différent, là, puisqu'on est dans un registre très dramatique, voire mélodramatique. Enfin, non, c'est plus complexe que ça. C'est un film de 1949 pour lequel Devèvre est régulièrement cité, puisque c'est vraiment un film atypique. Didier, vous pouvez nous en dire quelques mots ? En fait, le film est assez atypique. Vous évoquiez tout à l'heure à son propos Orson Welles. Et là, je parlerai plus du Orson Welles de Citizen Kane, dans le sens où tout tourne autour d'un personnage qui a réellement existé et qui était un journaliste républicain qui a été assassiné en 1825 et qui était un pamphlétaire qui s'était fait beaucoup d'ennemis, mais qui était aussi admiré par certains, et qui est retrouvé criblé de balles dans la forêt qui appartient à son domaine. Et, à Verretz, en Indre-et-Loire. Et on va donc enquêter pour savoir qui pouvait lui en vouloir au point de l'assassiner. Mais ça n'est pas un film d'enquête et ça n'est pas un film policier. C'est un film de témoignage, en fait, et c'est là où on en revient à ce que vous évoquiez à l'instant à propos de cet amour du flashback et du témoignage et du récit des personnages qui racontent tous leur rapport avec donc Paul-Louis Courier et qui, je veux dire, qui se révèle, grâce à ses évocations et à ses flashbacks, être un personnage assez détestable, donc qui s'était fait quand même beaucoup d'ennemis. Enfin, dans le film, il est donné comme tel, et le film commence par un carton qui précise que oui. la vision du personnage est entièrement fictive pour les besoins de l'histoire et qu'elle ne reflète pas nécessairement la personnalité du vrai Paul-Louis Courier. Mais ce qui est amusant, c'est que donc, enfin, la structure est la suivante, c'est qu'il est mort et on enquête. Et les enquêteurs reçoivent des gens qu'ils interrogent, et chaque interrogatoire donne lieu à un flashback. Et donc ce flashback va à la fois expliciter l'histoire policière, fin des guillemets, et le personnage. Et devient une biographie voilà. du Courier. Et là où c'est astucieux et acrobatique, c'est que les témoignages en question, donc les flashbacks, ne sont pas dans l'ordre chronologique ascendant, c'est-à-dire que ça va loin ou près ou moyen. Donc je partage que le. Oui, il y a une sorte de mosaïque, de témoignages disparates, de faits disparates, qui illustrent plus la. Comment dirais-je, les comportements de chacun, les rapports de classe, les anecdotes traumatisantes, avec un personnage qui émerge petit à petit et qui paraît secondaire au départ, qui est celui de Jacques Dufilho, oui. qui est un peu l'innocent du film, et qui... joue le simple d'esprit. Et qui apporte au film, d'ailleurs, une poésie un peu inattendue, une innocence et quelque chose de presque... féerique, avec une séquence dans la forêt qui est incroyable, où on se croirait presque chez Walt Disney, puisqu'il parle aux arbres, il parle aux oiseaux. Enfin, il y a quelque chose de... Ce film part dans des directions qui sont totalement hétéroclites, voire hétérogènes, et pourtant, et on en revient toujours à cette fameuse ferme dont la pesanteur et le poids, ferme encombrée par des animaux d'une part, et aussi par des livres, avec une sorte de capharnaüm de livres, puisque notre ami pamphlétaire passe sa vie à hurler sur son personnel et à écrire des livres. C'est une sorte de bazar, ce film, surréel et assez plaisant, quoi. Enfin, très, très fascinant. Alors, ce qui est amusant, c'est que je reviens à ces raccords en volets multiples, c'est qu'ils continuent de les utiliser, comme dans La Rue de 11 heures. Et stylistiquement, ils n'ont absolument rien à voir avec le 19e siècle qui montre. Tout d'un coup, il y en a un qui est assez complexe. On a l'impression de ces Jean Séné qu'on avait dans les bobines d'actualité par moment. Enfin, je veux dire que donc, c'est pareil. Voilà, rien ne l'arrête du moment que ça lui fait plaisir. Il se fait plaisir. Mais ça marche, quoi. Ça marche fort. Oui. Ouais. Il y a un magnifique casting, en plus. On est en 49, et outre donc Jacques Duménil, qui interprète Courier, et Claude Génia,
ravissante Claude Génard, qui interprète son épouse. Nous avons Aimé Clarion, Pierre Renoir. Pierre Renoir, un Alfred Adam. Juge d'instruction un peu. Oui, un Alfred Adam étonnant en unijambiste. Mmh. Et je dois avouer que j'ai été bluffé par la performance physique d'Alfred Adam. Oui, parce que la jambe, elle parce doit que, être... Derrière, derrière. Oui, et il n'y a pas de trucage. C'est vraiment un bel effet. Et bon, il y a Jean Villard... Ce qui est passionnant, pardon, c'est que c'est, pour revenir sur ce qu'on disait, c'est que c'est un film qui est mal aimable. C'est-à-dire que les personnages sont, à part celui de Dufilo, mais bon, Dufilo, le personnage de Dufilo est un innocent, donc il n'est pas dans la réalité sociale ou morale, mais tous ces personnages sont noirs ou sombres ou gris, où il y a une sorte de vision un peu misanthrope de l'humanité, et c'est assez intriguant, parce qu'en plus, l'ambiance, le gris, la boue, la province. Et puis en plus, tous ces personnages qui lui en veulent sont dépendants de lui. Oui, sans lui, il ne serait pas nourri, logé, notre maître. Oui. Et le paradoxe, en effet, c'est que ce film qui raconte l'histoire d'un homme qui a voué sa vie à tenir des propos en faveur de plus d'égalité, de solidarité, enfin un républicain, un vrai, et qui se révèle comme un personnage quand même très misanthrope, très désagréable, est en conflit ouvert avec ceux qu'il est supposé défendre. Oui. Et que ceux qu'il défend dans une sorte d'idéal sont des personnalités médiocres, envieuses, jalouses, superstitieuses, etc. Donc dans cette dimension que le film est assez passionnant, quoi. Et il y a cette scène au village où là, il prend la parole et il emmène tout le monde collectivement. C'est-à-dire, en fait, il est en bonne relation avec le peuple tant qu'il ne le connaît pas personnellement. Voilà. Et tant que le peuple ne le connaît pas. Voilà, absolument. Plus. Mais c'est fait que nous qui vont obéir. Vous devriez leur parler, monsieur Courrier. Partez pas, mes amis, ne partez pas. Nul n'a le droit de vous chasser de cette place. Et le maire commet un abus de pouvoir. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ne sont pas venus ici pour danser, mais pour parler d'affaires, pour conclure des marchés, pour vendre ce qu'ils n'ont pu vendre à la foire. En interdisant ce bal, on laisse donc les intérêts du public et de chacun. Bravo. On y a raison, et bien vu. Prenez votre balle, mes amis, et que le maire en soit pour ses frais. D'ailleurs, quel mal y aurait-il à danser, même devant la porte de l'église? Nos pères le faisaient, plus dévots que nous. Le saint roi David dansa devant l'arche et le Seigneur le trouva bon, il en fut aise, dit l'Écriture. Mais si vous vous laissez faire, on viendra bientôt, par tambour, vous empêcher de chanter et de rire. Vous jeûnerez, par ordonnance, non du médecin, mais de monsieur le maire. Bravo, bravo. La musique. On va te conclure sur Jean de Vèvres, si vous le permettez, pour attaquer la partie grecque de notre rencontre, avec quelques mots sur un film qui, pour le coup, est vraiment un film dispensable. Je pense qu'on peut le dire. Quoi qu'il mérite, notre curiosité fait qu'on ira le voir quand même. C'est Alerte au Sud, 1953, qui est une sorte d'étrange film d'espionnage, réalisé par Jean de Vèvres, entre autres films dont on a la sensation que ce sont des films de circonstances plus que d'autres choses, avec, je le résume très vite parce qu'on va pas s'étendre dessus si j'ose dire, avec Jean-Claude Pascal, Eric von Stroheim, Gianna Maria Canale, la jolie italienne, et ça raconte l'histoire d'un officier de la Légion qui se retrouve confronté à... On est en Algérie, je crois, ou au Maroc. Au Maroc. Qui se retrouve confronté donc à... des complots qui sont menés par des gens dont on ne sait pas bien qui ils sont au départ et dont on va découvrir... Des militaires. Hein, il est officier de la Légion et il est embringué donc dans une série de circonstances. Ça ressemble à OSS 117 un peu au début avec une jolie espionne. Et puis à la fin, la deuxième partie devient totalement improbable avec une sorte de base dans le fin fond du Sahara. Et on passe d'un film d'espionnage à un film de... qui ressemble presque plus à de la science-fiction, une sorte de James Bond avant la lettre, avec un rayon vert et des espions nazis, alors que le Troisième Reich est défait depuis de nombreuses années. Oui, mais il faut croire que pas partout. Et avec Eric von Stroheim, qui porte toujours bien l'uniforme, qui a pris 35 kilos depuis La Grande Illusion, et qui continue à avoir à changer d'uniforme dans chaque plan, pratiquement, de la marine allemande, enfin bref. Donc un film
un peu nanardesque, il faut bien le dire, mais assez étonnant parce que si on veut boire, on veut boire le verre à moitié plein, ça se rapporte à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a chez Jean Devèvre une capacité à filmer avec plaisir, enthousiasme, même les choses les plus abracadabrantes, abracadabrantesques, comme disait un président. Mais en plus, c'est le film est assez opulent, c'est-à-dire qu'il y a, oui. Il y a des mouvements de troupes avec abondance de dromadaires. Mais ça nuit un peu. Hein, une coproduction marocaine où on sent effectivement, car Devèvre, il faut le préciser, était pratiquement le producteur de tous ces films. Et on sent qu'en fait, il a dû faire un deal avec une production marocaine et obtenir donc ce formidable décor qu'est le Maroc. Et on sent qu'il a pris là aussi énormément de plaisir à filmer le Maroc et à utiliser moult figurants. On va conclure À dos de chameau. Voilà, il fait un peu trop l'économie du scénario quand même. Mais il y a une bonne réplique, c'est du oui, je suis officier, de je sais pas quoi. Il dit, oui, mais chez nous, c'est dangereux pour la santé. Alors, juste pour conclure sur Jean Devèvre, en rappeler pour nos amis cinéphiles qui l'auraient oublié, que il est joué par Jacques Gamblin. Son personnage, son vrai, est joué par Jacques Gamblin dans le film de Bertrand Tavernier, Laissez-passer, qui raconte donc les années continentales pendant l'occupation en France, pendant lesquelles Devèvre, ainsi que le Chanois d'ailleurs, étaient résistants tout en travaillant à la continentale. Donc si vous voulez faire référence à une partie de la biographie de Devèvre, il y a son bouquin par ailleurs, et il y a aussi ces événements qui sont relatés dans Laissez-passer. Et je ne peux pas conclure sans quand même évoquer Joseph Kosma, qui est le musicien des trois films que nous venons de citer. C'est vrai. Et qui nous propose là des musiques, des partoches symphoniques magnifiques, qui sont très loin des chansons qu'il a faites avec Prévert, mais la musique est super. Personne ne bouge là-dedans. Des balles, comme nous. Il y a un truc qui a tiré. Tu as entendu quelque chose, toi? Mais non, justement. Oh, dis donc, il a une balle dans la tête. Et elle? Évanoui. Tiens la porte. Aide-moi, tu veux? Oui, attends. Comment ça se soigne, ces créatures-là? C'est tout en creux et en bosse. Et délicat. Il faut voir. Je vais te montrer. Mais là, c'est pas la peine, il respire. Il faudrait lui donner quelque chose à boire. Eh ben, ça fait deux. De quoi? Oh, pas de tourner, mon vieux. Mais ces balles-là, tout de même, elles sont pas tombées du ciel. Du ciel? Regarde. Alors, chers amis, c'est une découverte pour ce qui me concerne, mais je crois que c'est un peu le cas pour vous aussi. Michael Kakoyannis, non pas qu'on ne savait pas qui était ce cinéaste, dont on se souvient qu'il a eu des grandes productions internationales autour de la tragédie classique, et surtout un succès mondial énorme qui a fait beaucoup pour le tourisme en Grèce, qui était Zorba le Grec, qui est un film qui a en plus reçu 3 Oscars, qui a marché partout, avec le Sirtaki. Enfin bref, d'un seul coup, tout le monde était grec. Et pourtant, la carrière de Michael Kakoyannis ne peut surtout pas se résumer à ce film-là, si brillant fut-il. Je tiens et je prétends que ce qu'il a fait auparavant est peut-être plus intéressant a posteriori pour l'histoire du cinéma. Michael Kakoyannis, né chypriote, 1922 à Limassol, mort à Athènes en 2011, une belle carrière, une ambition d'aller à l'étranger, puisque son père étant avocat, il va faire des études de droit à Londres, et c'est là qu'il commence à fréquenter l'Old Vic School, puisque plutôt que le droit, il préfère l'art dramatique, et la guerre survient. Il s'occupe de dramatique pour la BBC en direction des Grecs, et il reste à Londres où il a l'intention de réaliser des films, ce qu'il ne pourra pas faire puisqu'il ne trouve pas de producteur à l'issue d'un premier scénario. Ce qui le ramène en Grèce, où là, Dieu merci,
thanks God, il va participer de ce mouvement de renaissance du cinéma grec. Et on présente tout de suite ses premiers films, son premier film en 1954, dans lequel il y a son égérie. Bon, il va diriger les grandes actrices grecques. On connaît bien Irène Papas, on connaît bien Mélina Mercouri. On connaît beaucoup moins Élie Lambetti, qui est dans les trois films dont on va parler, et qui est une actrice absolument bouleversante, et qu'on découvre par la voix de Didier, qui est charmé, dans ce premier film, qui est une comédie, Le Réveil du Dimanche, 1954. De quoi s'agit-il, Didier ? Une jeune femme, vous l'avez nommée à l'instant, Élie Lambetti, qui est tout à fait charmante, se réveille un dimanche matin pour aller à la plage. Et d'habitude, elle y va avec sa sœur. Ce jour-là, sa sœur ne veut pas venir, donc bon, elle y va toute seule. Et pendant qu'elle est en train de se baigner, deux jeunes galopins lui volent son sac. Son sac dans lequel il y avait absolument tout. C'est, non seulement ses vêtements, mais ses papiers et un... Et surtout ? Et un billet de loterie. Un billet de loterie qu'elle n'avait pas l'habitude de jouer. Mais là, cette fois-ci, elle avait pris ce billet parce qu'il correspondait, le numéro du billet correspondait précisément à sa date de naissance. Et elle se fait voler ce sac. Et le billet, en l'occurrence, eh ben, les deux galopins qui ont pris tout ce qu'ils pouvaient dans le sac se retrouvent avec le billet et vont le vendre dans la rue à un jeune homme. Qui n'a pas beaucoup d'argent sur lui et qui n'en a même pas beaucoup chez lui. Et ce billet va les rapprocher, on ne sait pas encore comment. On ne sait pas encore comment, mais bon, si, disons-le. Mais si, le billet est gagnant. Charles, vous avez découvert Athènes dans ce film ? J'ai découvert Athènes comme il était avant que je ne l'ai connu. Je trouve le film extrêmement joyeux, extrêmement pétillant. Il est illuminé par Élie Lambetti, qui est une découverte. Moi, je n'avais jamais vu cette femme-là. C'est vrai. Et elle a une palette extraordinaire, comme on va le préciser en parlant du film suivant. Le film est plein de fantaisie. En plus des numéros musicaux, des respirations, des décalages, une interprétation pimpante, vivace, et dans un Athènes qui existe, c'est-à-dire qui est une réalité matérielle. Des prises de vue extérieures dans des décors réels. Voilà, et ça c'est aussi important sur la suite du travail de Kakouyanis. Il y a une façon de montrer ou d'accepter ou d'aimer la Grèce contemporaine telle qu'elle est, quoi, c'est-à-dire. Et outre que le ticket est gagnant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à des personnages qui ont des problèmes d'argent aussi, et que ce billet peut être la solution à leurs problèmes, etc. Donc en plus, c'est pas une comédie chez les gens riches, pour le coup. C'est une comédie, c'est amusant, c'est une comédie romantique, c'est les gens pas riches, qui est le contraire de ce qui se passe dans les comédies romantiques. Ça pourrait être un sujet de René Clair. C'est d'ailleurs l'inspiration initiale de Kakoyanis, puisqu'il s'est revendiqué du million de René Clair. C'est un des films de loterie, quoi, comme il en existe quelques-uns, dont Les Tuches, qui est peut-être pas celui qu'on citera le plus volontiers. Mais il y avait Millionnaire d'un jour. Enfin bon, bref, le billet de loterie comme vecteur de rapprochement ou d'éloignement social, de description de la diversité, si j'ose dire, sociale, c'est un wood unit habituel. Mais là, le paradoxe, c'est que c'est le billet qui rapproche et qui éloigne, puisqu'ils vont s'aimer en dépit de l'argent, puisque chacun revendique l'argent de ce billet de loterie. Oui, alors, ce qu'il faut noter, c'est que on a tout de suite affaire à un metteur en scène très, très affûté. Là, c'est son premier film, donc c'est déjà assez admirable, mais ça se précise avec les deux suivants dont nous parlons. Il y a une façon de filmer, une façon d'occuper l'espace, une façon de faire circuler les acteurs, une façon économique, mais très déterminée et déterminante, de faire ou de ne pas faire des gros plans, je veux dire, un peu à contre-temps de ce qui serait l'immédiateté paratélévisuelle de nos jours, c'est-à-dire on peut gagner en intention en prenant de la distance, on peut aller chercher les silences en plus gros plan, il n'y a pas d'asservissement de la présence à l'écran, à la réplique dite, enfin,
il y a déjà, il y a déjà quelque chose qui se dessine, qui est très futé d'ailleurs. Il a mis beaucoup en scène au théâtre, donc ça veut dire qu'il a, il comprend cette façon qu'on peut avoir de mettre les choses en avant, alors qu'on ne peut pas déplacer, modifier la distance du spectateur par rapport au plateau. Et puis, c'est bien faire jouer ce qui est écrit et ce qui est filmé. C'est-à-dire que, par exemple, il y a cette situation formidable de comédie où on en parlait, où le chanteur, donc le musicien, héros, découvre, alors qu'il est en train de chanter un lamento, il découvre qu'il a le billet gagnant dans sa poche. Et bouleversé par l'émotion, il continue à chanter, mais le lamento se transforme en une sorte de chant parodique et de joie. De et toute la salle se met à rigoler, et il y a une sorte d'euphorie. Et c'est vraiment... vous aviez cité du Blake Edwards, mais ça pourrait être aussi du Chaplin. Ça ressemble à un gag qui se transforme en une sorte d'euphorie collective. Et il y a aussi des situations où il compose dans la rue. Et dans sa tête, il entend la musique et il fait pa, 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 tout ça. Et la musique est jouée par l'orchestre, enfin en off. C'est-à-dire ce qu'il est en train de composer, nous on l'entend interpréter. Donc il y a des idées comme ça. Le film est truffé d'idées, de mise en scène qui jouent entre l'écrit et le visuel. Ils sont stupéfiants, quoi. Je vais déborder sur le territoire de Didier, parce que je pense que là, il y a un usage de la musique qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que c'est pratiquement écrit comme de la musique de cartoon. C'est-à-dire que la musique n'est pas un soutien, mais est un personnage, des parties prenantes de la narration et des effets. Je veux dire, ce qui est assez rare, même dans les comédies américaines ou anglaises, françaises, les plus réussies, la musique a l'élégance, même si elle est... très très audible, mais de ne pas raconter l'histoire. Alors là, elle raconte son bout de l'histoire tout le temps. Χωρίς χαρά, μεγαλώσα και μόνο όταν σαν τα μωσά και τη λήψη μου ξέχασα μα για λίγο σκληρή για τις Δυστυχισμένος δεν ζούσα χωρίς να ζήσω Δυστυχισμένος τώρα που φύγες θα ζήσω Ευτυχία μου χαμογέλασε Με προσπέρασε Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce film, et je divulgage vaguement, mais quand on en jubile d'avance, c'est que c'est quand même un film dans lequel les gens se déclarent leur amour en s'engueulant. C'est-à-dire que c'est typique de la comédie, c'est-à-dire la comédie de bon goût, c'est-à-dire que c'est la mégère apprivoisée, c'est-à-dire qu'ils s'empoignent sous prétexte de l'argent, alors qu'ils sont amoureux dès le premier regard. Et ils se disent qu'ils s'aiment, ils se font des déclarations d'amour en reprochant à l'autre. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une vie de couple avec les premières engueulades comportementales, alors même qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont même pas commencé leur histoire. Donc il y a une intelligence du jeu. Et il faut citer aussi l'acteur Dimitris Horn, qui est le jeune premier comédien, qui était d'ailleurs... Pour l'anecdote, mais Charles, vous le savez sans doute. Ils ont beaucoup joué au théâtre ensemble, ils n'ont pas fait que ça, c'est ça que vous voulez me faire dire. Je pense qu'ils ont été liés charnellement. Elle a divorcé à cause de lui, oui. Voilà, et ils avaient une troupe de théâtre à leur de nom. Et ils ont continué de jouer longtemps ensemble. Et il est dans La Fille en Noir. La Fille en Noir, dont on va parler tout de suite. Alors, je vous propose de passer tout de suite à ce film, parce que c'est un chef-d'œuvre, on peut dire, et dire simplement que... paradoxalement, cette comédie si brillante qui rappelle les comédies à l'italienne, Le Réveil du Dimanche, c'est quasiment la seule comédie, je crois que c'est la seule comédie réalisée par Kekoyanis,
sauf erreur de ma part, qui va s'orienter par la suite beaucoup plus vers un cinéma dramatique, pour ne pas dire tragique. Et donc, quand on voit ce qu'il était capable de faire en matière de comédie, avec des répliques comme « J'aime les hommes mûrs, vous savez qui était mon premier amour ?» Gandhi. On se dit, il y avait un brio, il y avait une joie de vivre, un enthousiasme, et Kalkoyanis devient un des grands dramaturges, un des grands tragédiens du cinéma grec. C'est le cas dans « La fille en noir », 1954, film que Charles a dégusté. Ah oui. Écoutez, c'est l'histoire de deux Athéniens qui vont passer quelques jours sur l'île de Hydra et qui vont, plutôt que d'aller à l'hôtel, ils vont faire ce qu'on faisait beaucoup à l'époque, ils vont prendre une chambre chez l'habitant dans une grande maison où c'est encore une famille qui est en proie à une grande détresse financière et pas seulement financière, une grande détresse affective parce que la mère est veuve et en manque d'hommes, et elle ne se prive pas des faveurs de quelques jeunes gens. Je donne ça parce que c'est tout très, ça arrive très tôt dans l'histoire, ce qui en fait la risée de l'île. L'héroïne, Lilan Betty, donc sa fille, a une sœur qui a disparu, et ça raconte la façon dont... ça raconte l'amour impossible. Le patriarcat, ça raconte l'ascendant des hommes sur les femmes, ça raconte l'assignation à résidence pudique des femmes qui n'ont pas droit au désir, qui n'ont pas droit au choix de leur propre existence, qui sont ravalées aux tâches ménagères ou à l'état de personnes désirables qui devraient accepter les faveurs. Et dès lors qu'elles ne les acceptent pas, elles deviennent des ennemis à brocarder. C'est drôle, c'est presque une anticipation des réseaux sociaux, si on réfléchit de cette manière, c'est tout à fait... Oui, parce que ça parle de harcèlement aussi, si vous le permettez. C'est aussi le mépris des insulaires, mâles, à l'égard de la bourgeoisie athénienne, puisqu'ils méprisent les deux hommes considérés plus ou moins comme... comme homosexuel ou comme faible ou comme et ça raconte ce harcèlement, ce sorte de fascisme de quartier, c'est-à-dire ce harcèlement pour maintenir une sorte d'ordre viril qui est représenté par un certain nombre d'inactifs par ailleurs qui passent leur temps à jouer aux cartes, et donc c'est assez poignant parce que c'est une vraie tragédie et en même temps ça parle encore une fois d'une Grèce telle qu'elle existait très probablement, pas forcément à Hydra, mais dans une ambiance... vous avez raison de faire allusion aux réseaux sociaux. Alors, ce qui se passe, c'est que la Grèce telle qu'elle est, c'est là qu'il commence à travailler avec son opérateur allemand qui s'appelle... Walter Lassalli, voilà. Qui a beaucoup travaillé dans le free cinéma anglais, qui est directeur de la photo chez Carol Rise et chez James Ivory aussi. Et alors, qui arrive là à faire en noir et blanc une chose absolument extraordinaire, c'est que il arrive à enregistrer sur la pellicule les ombres et les lumières, les contrastes et le soleil. Et en n'éclairant pas comme les Hollywoodeux, c'est-à-dire avec des grosses sources pour déboucher, qui fait qu'il y a de la lumière même quand c'est à l'ombre, c'est-à-dire qu'il arrive à filmer l'adresse au fond telle qu'elle est. En tout cas, c'est l'effet que ça donne. Et il y a une réplique que je pourrais citer pour une fois, je marche sur votre territoire, cher ami, qui est dite par un des deux personnages qui arrivent de... Un des deux Athéniens. Qui lorsqu'ils atteignent Hydra, sont sur un bateau, et celui qui est architecte dit « Tout est dans la lumière, rien n'est caché, pas même le péché. » Et ça caractérise très très bien le film, parce que c'est donné d'avance. C'est-à-dire c'est une tragédie d'ombre, noire, obscure, sombre, souterraine, qui se joue en pleine lumière solaire. Voilà. Ouais. Et le film est très, très étonnant pour ça. Il y a quelques nuits dans le film, mais elles ne sont pas déterminantes sur le sentiment général. On a des petites ruelles, on a des encaissés, on a des gens qui entendent des choses qu'ils ne doivent pas entendre. On a la chaleur, on a la mer, on a ça dans le premier... Et on va avoir ça même dans le troisième, c'est-à-dire qu'on a affaire à des Grecs
qui vont se baigner dans la mer. C'est-à-dire que c'est, on est dans la situation pré-touristique. C'est-à-dire qu'on, on est avant Zorba le Grec qui va vendre l'érotisme et la liberté sensuelle et la chaleur hellénistique comme étant l'absolu des vacances. On est avant ça, donc on est pays où les Grecs sont beaucoup entre eux. Donc l'étranger, pour les gens d'Hydra, c'est effectivement l'Athénien comme le Parisien pour le Marseillais. Le touriste, absolu. Voilà. Et le film est bouleversant pour ça. J'ai dit qu'il était 1954, non, ça y est, il je l'ai 56, dit. Il est 56, oui. 56 ? 56. Alors Didier, quel est votre, qu'est-ce que vous avez retenu de ce film ? Vous aussi, vous avez été, j'imagine, c'est une découverte pour vous ? Absolu, je le reconnais. Et effectivement, c'est tout à fait étonnant, dans le sens où on passe justement là, Kakoyanis passe dans le drame et dans la noirceur, et les personnages sont, comment dirais-je, malmenés. Et quand je dis les personnages, j'aurais dû commencer par autre chose. Les personnages féminins souffrent énormément, et pour cause, le patriarcat que vous évoquiez à l'instant est même dominant chez le jeune frère, donc chez le fils de la veuve qui se fait carrément brutaliser en public par son fils. Ouais. Une scène incroyable. Parce que il a appris qu'elle avait une aventure. Une liaison. Ouais. C'est complètement fou. Et c'est très noir, effectivement. Et on ne peut pas ne pas parler de nouveau de Élie Lambetti, qui est à nouveau le personnage féminin principal. Et qui change complètement de registre. Ah oui, oui. C'est une étonnante comédienne. Vraiment, grande découverte. Et alors, oui, on est vraiment, on sait que par la suite, Kakoyanis va se tourner de plus en plus vers ses racines, et qu'il va aller vers, là on est plus chez Sophocle, que chez Zorba le Grec, enfin chez, je sais plus comment c'est, qui était l'écrivain de Zorba le Grec, Nikos Kazantzakis, je crois. Ouais, c'est oui. Ça. Donc on est vraiment, on se rapproche de la conception aristotélicienne de la tragédie, c'est-à-dire inspirer la pitié, représenter la cruauté. Et d'ailleurs, personne n'échappe, puisqu'il y a, et ça c'est très tragique, il y a le sacrifice des enfants dans ce film. Mmh. C'est-à-dire que la vision des enfants, et c'est assez fréquent d'ailleurs dans les trois films qu'on a vus de Kakoyanis, c'est que les enfants ne sont pas innocents. Ils sont souvent liés à leur classe sociale, à leurs conditions sociales, mais ils ont aussi la possibilité d'être des petits êtres humains, c'est-à-dire d'être mauvais, d'être méchants, de participer à la, comme ici, à la curée, à la, au lynchage, et en ricaner, se moquer, etc. Et donc on est véritablement dans ce qui est le cœur de la tragédie grecque, solaire et noire, et on pourrait presque appliquer tous les codes à ce film, à ceci près qu'il l'a transposé dans un univers qui était son univers contemporain, 1956 donc. Et de ce point de vue-là, le film est sidérant, quoi, d'intelligence. Il y a cette scène dont on parlait, Charles, où le couple, puisqu'il y a une histoire d'amour qui est impossible entre le jeune Athénien et cette jeune femme, pour préserver sa réputation, et à un moment, ils s'aiment malgré tout, et ils arrivent à se retrouver, à se cacher dans une petite porte, pour se parler. Ils n'ont même pas le droit de se promener. Et il y a une petite fille qui arrive et qui les regarde. Et c'est presque aussi inquiétant que si c'était une division blindée qui arrivait. Mmh. Et c'est dans le regard de cet enfant que toute la détresse se joue, quoi. Et ça, c'est un moment admirable. Ανέβανα για αύριο. Για εκείνο το περίπατο που λέγαμε. Ναι, αλλά πώς. Θα συναντηθούμε στο παρεκκλήσι της Αγίας Φωτεινής. Εγώ θα πάω με τη βάρκα στον όρμα το μικρό και από εκεί θα ανέβω. Θα ξεκινήσω νωρίς. Κανείς δεν θα υποπτευθεί. Φοβάμαι. Πες να φύγει. Γιανούλα!
πάμε στη θάλασσα. Έλα, Ροχτώ μου. Έλα, Ιωνία. Πρέπει να φύγω τώρα. Τι ώρα θα συναντηθούμε? Non, mais c'est un grand film. Attendez, c'est un grand film, pas toujours, nous sommes tous d'accord. C'est un grand film et on peut le conclure. Il y a, je voudrais quand même citer Eleni Zaferiou, qui joue la mère, qui est magnifique. Il y a aussi Dimitris Horn, donc on avait, qui est donc le partenaire habituel. Qui joue le musicien et son billet de loterie. Si vous le permettez, on va conclure tout à fait provisoirement avec Fin de crédit, un film de 1957. Vous avez cette date-là aussi? Fin de crédit. J'ai 58 pour faire ah bon, crédit. Bon, alors 57-58, qui est le, non pas la dernière collaboration de Kakoyanis avec Elie Lambretti, mais s'il y en aura une encore, avant que sa carrière, hélas, Elie Lambretti ne cesse. Alors qu'Irène Papas et Mélina Mercouri vont devenir des stars internationales, elle, pour des raisons médicales, pour des raisons de choix de carrière, pour, sa carrière va un peu tourner court et c'est pour ça qu'on la redécouvre aujourd'hui. Ouais. Donc dans Fin de crédit, qui est un film très étrange, encore une fois, très fascinant, et peut-être celui dont la mise en scène est la plus stupéfiante à bien des égards, qui raconte l'histoire d'une famille qui est plus de la bourgeoisie athénienne, presque aristocratique, mais à moitié déclassée puisqu'ils n'ont plus d'argent. Le père a une usine qui est en train de déposer le bilan, et la mère est une sorte de coquette qui dépense de l'argent au jeu et qui est totalement paralysée à l'idée de devenir pauvre. Et c'est dans cet et là encore, cette fois-ci, c'est par rapport à l'honneur de la famille, sauf que ça n'est pas un honneur qui a un caractère sexuel ou conjugal, mais c'est un honneur par rapport au rang qu'il convient de tenir, puisqu'ils ont des amis qui jouent aux cartes, que ce sont des oisifs, enfin pas le père, mais en tout cas la mère et la fille, et qui ont une bonne à la maison, etc. Donc il faut tenir le rang, il faut surtout faire en sorte que personne ne sache qu'on a des ardoises absolument partout. Et c'est dans ce contexte que la fille de la famille, on cherche à la marier à un type qui est fortuné, de manière à ce qu'on puisse continuer à... Donc, c'est un sujet qui est éternel, c'est-à-dire la dot de la fille va servir à maintenir le train de vie de la famille. Et dans cette modernité du cinéma grec, pour la troisième fois, on découvre une Elie Lambetti qui est à la fois capable de jouer la comédie, c'est-à-dire de feindre de jouer la comédie, c'est-à-dire de feindre d'être heureuse, d'être joyeuse, etc., puisque c'est elle qui choisit de sauver ses parents. Ce n'est pas ses parents qui le lui imposent. Et en même temps, elle est dans la tragédie, puisqu'évidemment, elle va tomber amoureuse, et elle encore une histoire d'amour impossible. Film incroyablement osé, audacieux. Par exemple, je vais citer une scène qui m'a frappé, c'est qu'on découvre le père qui est en difficulté professionnelle et rentre dans un entrepôt. On ne sait pas trop ce qu'il fabrique, mais enfin, peu importe. Dans un entrepôt, et cet entrepôt est le lieu où les machines tournent habituellement, et donc qui est en train de mourir. Et il allume une cigarette pour regarder cet grand espace, et on le voit allumer sa cigarette en plan large, et après, on est en contre-champ, on voit le briquet qui s'allume, et le décor est embrasé par le feu du briquet. C'est un plan incroyable qui résume exactement tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans la tête de... Mais il y a plein d'autres choses que vous aurez remarqué, Charles. Alors, d'une part, si on parle de la photo, encore une fois, il y a une scène de fin de nuit et de lever du jour sur une terrasse de club dansant où, encore une fois, on est en noir et blanc et pourtant, on ressent la Méditerranée, enfin la mer Égée, la grécitude, pour ceux qui ont eu la chance de la connaître, s'emparer de nous. Et c'est très étonnant photographiquement. Je ne sais pas combien de matins il aura fallu pour arriver à ça, mais on a la progression graduée et complète jusqu'au lever du soleil, avec vue sur la mer, les bateaux au loin. C'est absolument... bouleversant sur le plan visuel, quoi, sur le plan de la sensualité grec. Et il y a aussi de la grande mise en scène où, vous savez, c'est Romère qui disait ça, il y a des choses qui sont la matrice du tout dans certains films, et là, il y a dans leur salon deux portes coulissantes qui font que quand on a besoin de prendre des apartés ou qu'on a besoin de ne pas être entendu, soit par la bonne, soit par les visiteurs, on ferme cette porte. Donc ce besoin de secret, il est matérialisé et il est perçu par les gens auxquels on est supposé
ne pas dire les choses. C'est comme un rideau de théâtre, en fait. Voilà, et puis c'est une division de l'espace. Et lorsque la porte est mal fermée, on entend la personne qui n'aurait pas dû entendre entend. Et on peut même glisser un œil par l'interstice pour voir, comme au théâtre. Il faut pas trop divulguer, mais il y a une scène extrêmement tendue, violente à un moment donné, où la bonne mal payée veut faire entendre sa récrimination publiquement. Ce que jouent ces femmes est absolument extraordinaire. Et en plus, là, tout d'un coup, ce qu'on n'a jamais vu sur les deux précédents, puisqu'on est quasiment dans les quatre premiers films de Kakouyadis, la caméra passe à l'épaule, une espèce de modernité, parce que 58, merde, c'est pas si fréquent. Surtout dans un film qui n'est pas du tout fait comme ça. C'est un film qui est... La scène de violence que d'un seul voilà, coup. Voilà, tout d'un coup. Donc c'est, là, c'est une espèce de grande liberté, c'est une espèce de grand culot d'un grand metteur en scène. Moi, je ne le savais pas à ce point-là, largement pas. C'est une leçon de mise en scène. Ouais. Mais c'est aussi une leçon de scénario, parce que je crois qu'il est important de préciser que les trois films que nous venons d'évoquer, il les a scénarisés et il est seul maître à bord. Il les a écrits et réalisés. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de puissance. Et je pense que vous avez raison. Et dans le cas de Fin de crédit, le scénario est encore plus fort que les précédents, parce qu'en fait, ça joue sur moins de décors, moins de lieux, un passage de temps plus bref. Et là, il y a quelque chose de sa connaissance du théâtre qui revient se mettre là-dedans. Enfin, la première scène où il y a des invités qui jouent aux cartes et où Elie Lambetti cherche des bouteilles de whisky qui sont toutes vides. Et alors qu'on refuse de lui faire crédit. Voilà, elle appelle l'épicier, on refuse de lui faire crédit. Et donc, il faut arriver à dissimuler ça. Et ça dure longtemps. Alors, il se passe beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses. Mais on comprend tout. Mais le temps long, c'est compliqué. Ouais, la gestion du temps est admirable dans le cinéma. Ouais. Et il y a autre chose, je reviens un tout petit peu sur... La fille en noir, c'est que il y a deux choses aussi qu'il fait avec Mlle Lambetti admirablement, c'est laisser exister les silences et accidenter le débit de la parole, c'est-à-dire où les choses peuvent devenir hésitantes, mais pas de manière fabriquée. Comme oui, je pas artificielle. C'est une grande actrice que je ne suis pas, ni actrice ni grande, Et là, je pense que ça se joue entre les acteurs et le metteur en scène. C'est pas possible autrement. La compréhension du temps, la compréhension de l'espace, comment les personnages se déplacent les uns par rapport aux autres, c'est signifiant sans être indicatif. C'est absolument extraordinaire. DJ, qu'est-ce que vous avez retenu de ce film ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Une scène, un acteur des... Alors, moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que vous en parliez précédemment. Il y a aussi Kakouyadis qui va, aller dans la tragédie. Les Troyennes, Électre. Ouais. Et là, il y a une espèce d'hommage à la tragédie antique. Je ne vais pas révéler la fin, mais il y a toute une scène qui se passe lors d'un pèlerinage qui est assez étonnant, parce que justement on sort de tout ce qui nous a montré de la vie moderne de l'époque, j'entends bien, de la vie moderne des Grecs, et là tout à coup on revient dans la tradition et dans une Grèce antique et superstitieuse, et c'était la scène est assez étonnante, reconnaissons-le. Pas antique, puisque chrétienne, mais... Orthodoxe. Mais vous serez d'accord avec moi, Charles, il y a quelque chose de fascinant aussi dans sa manière de filmer les gens, c'est-à-dire, d'abord sur les cadres, sur les visages, et surtout les seconds, troisièmes rôles, la foule, et là encore, on retrouve la tragédie grecque, c'est-à-dire il y a toujours la présence du cœur antique. Mais là, il y a des visages, et ces visages parlent, et ça ne fait pas figuration. Non. Il n'y a pas de figurant, on a des visages, c'est assez fascinant, quoi. C'est aussi beau qu'Eisenstein, pour ça. Absolument. Cette force-là. Absolument. Mais il y a une situation qui est incroyable, c'est que, par exemple, comme il ne surligne rien, mais la jeune fille du film qui découvre...
la forfaiture de sa famille et qui en conçoit une forte culpabilité. À un moment, elle prend un car pour rentrer chez elle, pour fuir un amoureux dont elle ne veut pas. Et elle découvre dans ce car la pauvreté. C'est-à-dire, s'il est bondé, les gens enlèvent leurs chaussures, le type à côté de lui mange directement dans le car, à côté d'elle, et lui propose une olive. Et il y a une vision de la pauvreté qui est, pour elle, traumatisante, mais ça dit tout. C'est-à-dire, ça raconte exactement tous les enjeux du film, sans qu'il ait besoin d'élaborer un discours politique ou on ne sait de quoi. C'est la pure mise en scène, quoi. Πάμε για την Αθήνα για τον Παρπαθήμιο. Εντάξει. Παρπαθήμιο. Κάνε στον Παρπαθήμιο τώρα. Ο άνθρωπος τώρα κάθεσε εκεί πέρα. Μεθυσμένος είναι. Πού πας. Κάτσε κάτω. Φύγε. Bien, bah alors on peut conseiller à tout le monde de revoir les films de Michael Kakoyannis, pas tout, l'ensemble de la carrière, parce que c'est un cinéaste qui est quand même aujourd'hui, enfin on en parle moins que Buñuel par exemple, on en parle, pour parler des contemporains, on en parle moins que Fellini, on est en train de découvrir un cinéaste majeur des années 50, 60, 80 quoi. Ces trois films-là, absolument indiscutables. Rien que ces trois-là... Eh bien, j'espère qu'on aura fait œuvre de pédagogie. Et nous-mêmes, on est heureux d'avoir redécouvert, à nos grands âges, des cinéastes, et un en particulier, dont on n'imaginait pas à quel point il avait cette inspiration. Il y a plein de films à voir, là, si on y allait. 9. Ouais. Et les suivants. Ah oui. Et tous les salons qui arrivent. C'est le salon du salon du salon. Didier-Philippe Gérard... Charles Némès, Denis Parent, nous restons amis malgré toutes nos cinéphilies.